quel est le fruit des trois, qui a trois chemises? La châtaigne. Oui, la châtaigne. Alors c'est une dame qui a... Une dame. Alors applaudissez. Je vais expliquer les trois chemises. Alors c'est la châtaigne. Elle a d'abord une bogue. Vous n'avez jamais vu en bogue, tous les jeunes. Hein? Il y a une bogue qui pique. Alors il faut ouvrir la bogue. Et puis là, la châtaigne, elle a une... Elle est enveloppée dans du cuir tout marron. Et puis on enlève la chemise de cuir. Et là, il y a une belle petite chemise blanche, toute fine, presque en dentelle. On l'enlève et on croque la châtaigne. Je suis tout petit. Je suis tout rond, je suis tout blanc. Ma mère m'a fait en chantant. Qu'est-ce que c'est? Un œuf. Un œuf. Applaudissements. Alors, on est quand même un pays de pierre. Et vous savez que l'eau, le feu, la pierre ont toujours séduit les gens. Et je vais vous parler des pierres. Ici, on est quand même dans un pays avec beaucoup de pierres. Et beaucoup de variétés de pierres, depuis les palis jusqu'au granit. On a des pierres. Et quand la terre... Je vais vous raconter une histoire qui est très vieille. C'était quand la terre était nouvelle. Et vous savez, quand la terre était nouvelle, la terre elle se bougeait en tous sens. C'est pour ça qu'on a des montagnes, c'est pour ça qu'on a des vasières, c'est pour ça qu'on a des forêts. La terre était toujours en mouvement. Et au temps où la terre était nouvelle, vivait dans une forêt. Mais dans cette forêt, c'était à côté, il y avait aussi des prairies, puis il y avait aussi de l'eau, vivait une petite jeune fille. Elle était belle. Et pour elle était belle, on disait, ben oui, elle était belle, elle était brune et lumineuse. Et on disait qu'elle était belle comme la fille de la lune et du soleil. Oh, elle était belle. Et elle était là dans une petite chaumière. Et elle avait 10 frères. 10 frères. Et ses frères, eh bien eux, ils allaient à la chasse. Pas avec des fusils, mais avec des arcs. Vous voyez bien hein, comment ils étaient armés autrefois. Et ils allaient à la chasse comme ça. Et elle, elle restait dans sa chaumière. Et puis, ils partaient le matin. Et ils ne revenaient que le soir. Et elle, elle préparait le feu dans la cheminée, comme ça, elle faisait des braises, parce que quand ils arrivaient avec le gibier qu'ils avaient tué, ben, on pouvait le griller. Et puis elle, elle allait dans la forêt et ramassait des baies sauvages. Vous savez, on trouve des fraises, on trouve toutes sortes de fruits sauvages, surtout autrefois dans les forêts. Alors, ils se rencontraient le soir autour des braises, ils mangeaient et chacun racontait tout ce qu'il avait découvert dans la journée. Comme tous les 10, ils étaient partis dans des endroits différents et ils étaient heureux. Et un soir, il n'en est revenu que 9. Alors, il était désolé. Alors ses frères lui ont dit, on ne te désole pas, sans doute qu'il a dû courir après un animal qui courait très vite, il est parti très loin dans la forêt, et puis s'est dit, il fait nuit, je ne vais pas rentrer ce soir, je vais dormir n'importe où, là, le long d'un buisson, sur un tas de feuilles, n'importe, et puis je retournerai le lendemain. Mais elle, non, elle avait un pressentiment, un mauvais pressentiment. Et le alors ils sont partis le lendemain matin. Et le lendemain soir, quand ils sont revenus, ils se sont comptés, il n'était plus que 8. Alors là, ils ont crié au bord de la forêt. L'écho répondait, c'est tout. Et puis, le lendemain, elle était triste. Elle était triste parce que non, elle se disait, c'est pas normal. Et le lendemain, il n'était plus que 7. Et au bout de 7 jours, personne n'est plus revenu. Alors là, elle était triste. 10 frères de disparus. Ah non, elle a laissé le feu s'éteindre. Elle a laissé les braises se refroidir. Elle ne voulait plus manger. Ah non, elle était toute seule. Et puis vous savez bien, le temps passe, il faut bien vivre. Elle est quand même retournée.
elle est quand même retournée dans la forêt ramasser du bois pour faire un petit peu de feu. Et puis elle est quand même retournée dans la forêt pour chercher les fruits sauvages et elle se nourrissait d'un tas de choses qu'on peut rencontrer. Et puis un jour, qu'est-ce qu'elle voit sur un tas de cailloux? Oh, une pierre, mais une pierre lumineuse. Oh, une belle pierre. Oh, elle se dit, mais c'est un porte-bonheur, ça. Alors, elle a ramassé la pierre, et puis elle la regardait comme ça. Elle dit, oh, au moins, si c'était un porte-bonheur, une pierre qui pourrait... Ben oui, porter bonheur. Elle n'osait pas dire le retour de ses frères. Alors, elle la tenait comme ça dans sa main, mais la pierre la gênait. Alors, ce qu'elle a fait, elle l'a mise dans sa bouche. Comme ça, elle était à l'aise. Elle était à l'aise pour ramasser les brindilles, tout ce qu'elle trouvait. Et alors, elle bute dans une racine, elle tombe et elle avale la pierre. La pierre était avalée. Et à partir de ce jour-là, son ventre s'est arrondi. Et dans les jours qui ont suivi, elle a senti la vie en elle. Et alors, un beau matin, elle a mis au monde un enfant. Un garçon. Oh, qu'il était beau. À sa naissance, il était déjà vigoureux. Alors, elle s'est dit, bah, c'est l'enfant. C'est l'enfant. Bah, c'est l'enfant de pierre. Je l'appellerai l'enfant de pierre. Eh bien, oui. C'était l'enfant de pierre. Et elle a repris goût à la vie. Il fallait bien s'occuper de ce petit-là. Et puis comme tous les enfants du monde, il a vite grandi, même plus vite que les enfants du monde. L'enfant de pierre a vite grandi. Et un jour, elle l'a vu, parce que quand ses frères sont disparus, eh bien, elle a tout pris, les arcs, les flèches, et dans un coin de sa petite chaumière, dans un coin très sombre, il y avait un coffre. Elle a tout mis ça dans le coffre, elle a fermé le coffre. Personne ne touchait. Et un jour, quand elle est revenue, son petit garçon s'amusait, mais il avait des arcs et des flèches. Elle l'a regardé, et c'est lui qui a dit, « Mais qu'est-ce qui a vécu ici avant? Il y a des arcs, il y a des flèches. » Alors, avec beaucoup de peine, beaucoup de chagrin dans son cœur, elle lui a dit, « J'avais 10 frères, et ils sont tous disparus. » Ils sont disparus. Où sont-ils disparus? Eh bien, ils sont disparus dans la forêt. Oh, j'irai les chercher. Oh, mais il allait partir. Elle a dit, non, non, attends, il faut devenir grand pour aller courir les forêts. Alors, il a dit, ben, je vais attendre. Mais il a grandi très vite, très vite. Il est devenu fort, très vite, très vite. C'était l'enfant de pierre. Et un beau matin, ce grand jeune homme, il est parti. Il est parti, il a dit, je vais partir. Il a marché, marché. Il dit, je vais aller dans n'importe quelle direction, je vais les retrouver. Il a marché, marché. Et sur son chemin, qu'est-ce qu'il a vu? Un loup. Un loup qui s'est avancé vers lui. Avec la gueule ouverte et les crocs dehors. Alors, l'enfant de pierre, lui, il n'a pas eu peur, il s'est avancé vers lui aussi. Et alors, le loup a levé une patte, en plus de sa gueule ouverte, et si gros, il a levé une patte sur lui. Et l'enfant de pierre s'est transformé en un gros roc, en une grosse pierre, une pierre dure. Et le loup s'est fracassé la mâchoire et les griffes, là. Et il est tombé le nez, le loup avait le nez dans la terre, dans l'herbe qui était là. Et l'enfant de pierre, le loup le regardait comme ça, « Je suis l'enfant de pierre !» Et il a continué sa route, il a marché, marché. Il n'avait peur de rien, l'enfant de pierre. Et quand il a eu marché, il est arrivé dans une clairière, mais il y avait un sommet au loin. Et qu'est-ce qu'il a vu descendre du ciel? Une boule. Il a regardé, la boule a pris forme d'homme. L'homme était tout rouge, avec une grande chevelure grise. Il s'est avancé vers l'enfant de pierre et lui a dit, « Ici, c'est mon territoire. » Alors l'enfant de pierre a dit, « Laisse-moi passer. »« Non, c'est mon territoire, c'est une zone interdite ici. »
Et le géant a fermé son poing. Oh, une main énorme, un poing. Il a fermé son poing pour frapper sur l'enfant de pierre. L'enfant de pierre s'est transformé en une grosse pierre de silex, grosse, dure. Et le géant a éclaté sa main sur le bloc de pierre. Et l'autre a dit, mais qui es-tu ? Je suis l'enfant de pierre. Et il a continué sa route. Et l'autre s'est envolé, on ne sait où. Et il est arrivé au bord d'un marécage, une zone puante, une zone remplie d'insectes, de serpents, ou peut-être même des couleuvres, ou peut-être même des vipères. Tout grouillait dans ce marécage, tout grouillait. Oh, l'enfant de pierre dit, mais je vais y aller par là. Il voulait toujours aller tout droit. Mais il dit, comment je vais passer? Et il a vu plus loin un bloc de pierre. Oh, une montagne, non, parce qu'une montagne est souvent pointue, mais il a vu un bloc de pierre. Il s'est dit, oh, je vais y aller quand même, parce que les pierres l'attiraient. Et puis, à côté, pas loin de ce bloc de pierre, il y avait une petite chaumière. Petite maison comme la sienne. Oh, il s'est dit, s'il y a une chaumière, il y a de la vie là-dedans. Il a passé comme il a pu l'endroit, le marécage. Et puis, il est passé auprès de la grosse pierre et il est entré dans la maison. Et là, il y avait une petite vieille, mais très drôle. Une petite vieille avec des yeux de serpent qui brillaient comme des yeux de serpent. Et puis, elle avait des mains toutes crochues. Oh, il s'est dit que... Et alors la petite vieille s'est avancée et lui a dit, « Ah, jeune homme, entre, entre, c'est pas souvent que j'ai la visite d'un beau jeune homme comme ça. » Elle l'a fait s'asseoir à table. Oh, c'était drôle. Il y avait une odeur, et elle surtout. Oh, elle avait un visage grimaçant. Oh, enfin, il s'est assis sur le bout du banc. Et puis, sa maison était drôle. Sa maison, on aurait cru qu'elle était couverte en lianes. Mais à regarder de plus près, elle était couverte de cheveux d'humains. Et puis, les murs de sa cabane, eh bien, c'était pas des rondins. C'était des os humains qu'elle avait assemblés comme ça, comme des rondins. Oh! Il trouvait ça très drôle. Il a goûté la viande parce qu'il ne voulait pas déplaire à la petite vieille. Oh, elle avait un drôle de goût et une drôle d'odeur. Et la petite vieille lui a dit, regarde, parce qu'elle était comme ça, toute cassée. Elle lui a dit, écoute, jeune homme, je voudrais que tu me masses ma colonne, tu vois. Comme ça, je vais redevenir droite. Tu ne veux pas me la masser? Oh. Il était méfiant et s'est allongé, il l'a regardé de près. Il a vu que sur sa colonne, c'était une longue lame qui était bien aiguisée. C'était pour qu'il se tranche les mains. Et quand il a vu la longue lame à la place de sa colonne, il a fait un saut jusqu'au plafond, et il est retombé en bloc de pierre sur la vieille. Il lui a cassé la colonne. Et puis, elle a poussé un cri étrange, un cri strident, et elle est morte. Et il avait affaire à une sorcière qui l'aurait fait ouvrir avec ses cheveux la maison, avec ses os, refaire des murs. Alors, quand il a vu ça, elle a poussé ce cri étrange qu'elle est morte. Il a dit, il a inspecté la maison tout le tour. Elle était sombre, la petite chaumière. Et il y avait dans un coin très sombre 10 sacs. Il a ouvert un sac et alors c'était comme des momies. C'était quelque chose d'enveloppé avec des herbes sèches, avec des lianes. Vous savez bien les momies, comment elles étaient entourées de bandages, de lianes.
se dit, c'est drôle ça. Il a sorti un sac, il l'a regardé. Dans les 10 sacs, c'était pareil. 10 corps momifiés. Il s'est dit, bien certainement qu'il y a un rapport. Il est sorti dehors pour voir. Et il a revu sa grosse pierre qu'il avait déjà aperçue. Une pierre pleine de cupules. Dans notre Bretagne, les mégalithes et toutes ces pierres ont des petits trous comme ça. Et l'eau vient dedans. On ne sait pas d'où elle vient. Mais il y a des pierres, il y a de l'eau dans les cupules des grosses pierres. Alors il s'est dit, elle doit avoir de l'eau. Alors il s'est avancé vers la pierre. Il a dit, grosse pierre. Il a tendu ses bras vers le ciel. Grosse pierre, mère des pierres du monde, je suis l'enfant de pierre. Fais quelque chose pour tous ces corps refroidis qui sont là. Et il les a tous traînés dessous. Et il s'est encore tourné vers la pierre en lui demandant de l'aide. Et alors là, l'eau a jailli, mais comme des geysers. Et plus l'eau tombait sur les corps, plus les corps momifiés prenaient vie. Et tout d'un coup, 10 géants sont apparus. Ces 10 ans, ils ont trouvé vie. Et ils ont ensemble, avec l'enfant de pierre, raconté leur histoire, tout ce qui leur était arrivé. Et ils sont repartis. Ils sont repartis, ils ont marché inlassablement. Ils sont repartis. Et puis tout d'un coup, après avoir marché, peut-être plusieurs jours, peut-être plusieurs nuits, ils ont marché. Et ils ont vu, ils ont reconnu leur petite maison, leur petite chaumière. Et sur le seuil de la chaumière était leur sœur, qui attendait encore et qui attendait toujours et qui avait toujours espoir. Alors ils ont couru, la lune s'est levée et ils étaient tous rassemblés. Cette légende de pierre s'ajoute à toutes les légendes de pierre de tout l'univers. Et là, la vie continue. Ils sont repartis, ils ont revécu, et la vie continue. Alors voilà mon histoire de pierre. Vous avez connu, vous, des meuniers ou des meunières? Oui. Parce qu'il y en avait un petit peu partout maintenant, dans toutes les régions. Et alors, je vais vous parler d'un... Vous voyez, ici, il y a donc un moulin à eau. Partout où il y avait de l'eau, surtout de l'eau courante, on faisait un barrage et puis ça faisait tourner l'eau. Et on disait que les meuniers étaient tous riches. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas de meunier quand même dans votre famille, parce que ça me gênerait un peu. C'est parce que leurs mesures n'étaient pas justes. Alors, ben oui, c'était comme ça. Alors on disait, oh, les meuniers sont tous riches. Alors ça... c'est un meunier aussi qui était riche. Et puis, je vous raconte cette histoire de meunier il y a longtemps. Longtemps. C'était du temps... Peur de démancher ma chaise. C'était du temps où on ne choisissait pas son galant. Vous savez bien, autrefois, dans nos campagnes, on disait, eh ben, celui-ci va se marier avec une telle, parce que leur terre était mélangée. Il n'y avait pas eu de remembrement, alors il y avait une parcelle ici, une parcelle là, tout ça était emmêlé, et quand un des paysans avait une fille, si l'autre des paysans où la terre était emmêlée avait un gars, on disait « marions nos enfants ». Ça faisait quand même un beau remembrement, hein, et un remembrement en chantant, parce que quand on a fait le remembrement officiel, là, c'était du hanneboton, hein, j'ai mis le... Ah ben oui, alors là, vous voyez le remembrement en chantant. C'était comme ça que ça se passait. C'était du temps où on ne choisissait pas son galant. Et la meunière non plus. Alors il y avait donc une meunière. Oh, qu'elle était belle. Elle s'appelait Géva. Et en ce temps-là, on disait qu'on n'avait jamais vu plus beau sous le regard du soleil. Ah, ça voulait dire qu'elle était belle. Ah, mais elle était belle. Ah, là, je ne peux pas vous dire. Elle était belle. Alors,
Vous pensez bien, tous les garçons du voisinage, peu importe s'ils avaient besoin de gabarit, de farine ou de son, ils venaient pour voir la belle Géva. Vous auriez été plus grande, vous auriez fait ça. Ils venaient pour voir la belle Géva. Mais son père, qui était riche mais avare, il disait, elle se mariera qu'avec quelqu'un qui a des sous, parce que quelqu'un qui n'a pas de sous, c'est un homme de rien du tout. Alors elle, en secret, elle aimait le sire de Kergoff. Un bel homme, mais sans bien et sans argent, donc c'était pas la peine qu'il se présente. Et puis, le temps passait, elle disait, ben là, il en venait la voir. Mais le père te chabussait tout ça. Vous comprenez un peu le galop? Il chabussait tout ça. Et puis un jour, il vient un mariou. Un mariou, c'était celui qui venait demander la main d'une fille ou la main d'un gars, quoi. Et puis il va trouver le père de Géva et il lui dit que le sire du Roual, un homme riche, oh, en terre, en or, oh, un homme fortuné, plein de sous, demandait la main de Géva. Ah ben le père dit, si c'est comme ça, ah madame, oui, tout de suite, allez, tout de suite. Il n'a pas demandé à Géva. Géva ne l'a même pas vu avant le jour des fiançailles. Oh là, non, il n'y avait pas de temps à perdre. Quand Géva d'abord avait du chagrin, et quand Géva l'a vu, c'était un vieux. Mais un vieux. Et puis il était tout bossu, mais s'il avait eu une bosse, qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais c'était une montagne qu'il avait dans le dos. Comme ça, oh, ça passait par-dessus sa tête. Oh, ben quand même. Et puis, Géva, c'est qu'elle était belle. Est-ce que je vous ai dit qu'elle était très belle? Oui. Oui. Oh, ben elle était belle, hein, là, Géva. Eh ben, il a fallu se marier. Et puis, comme disait son père, il a des sous, il a de tout, ça remplace tout. Eh ben, on a fait les noces. Et puis, lui, il avait trois frères, trois bossus comme lui, mais lui, c'est que le sire du Roual, il n'était pas facile du tout, du tout. Parce que s'il avait été gentil, après tout, qu'est-ce que vous voulez? Mais non, ah mais c'était un vieux, oh ben je vais vous apprendre trois mots de galop là, c'était un vieux grinchou, potintou, avaricieux. Vous avez compris? Eh ben redites avec moi. Vous aussi, grinchou, potintou, avaricieux. Vous n'avez pas tout dit, monsieur. Je vais vous regarder. Grinchou. Grinchou. Potintou. Potintou. Avaricieux. Redis donc tout fort. Avaricieux. Oh, ben c'est bien, il y a même l'accent un peu. Oui. Ben, écoutez, c'était pas bien quand même d'être marié avec un homme comme ça, hein, imaginez-vous. Et puis, alors, elle était malheureuse. Et puis, il y avait donc les trois frères, hein, trois bossus comme lui, mais eux, ils avaient tout vendu, tout chiqué. Ils faisaient tous les fesnos, hein. Ils jouaient de la bombarde, de l'accordéon, de tout ça. Oh, ils étaient joyeux, joyeux. Et puis, ils venaient à table, ils mangeaient, ils chantaient, ils jouaient de la musique. Ah, mais c'est que lui, il n'était pas content. Il dit, si ça continue comme ça, vous me le payez, madame. Je vous défends de recevoir mes frères à manger à la maison. Alors la pauvre Géva, elle, pourtant ça lui apportait un petit peu de gaieté. Oh, elle se dit, c'est pas rien. Comment que je vais faire? Alors, elle dit, écoutez les gars, vous voyez bien, les moulins à eau, c'était quand même dans des plaines, si vous voulez, hein, dans des endroits humides, mais c'était pas en haut. Vous allez bien voir, ne venez pas quand il est là, parce que c'est pas une vie. Comme on dit chez nous, c'est une vie pendable. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression-là quelquefois. C'est une vie pendable. Vous n'avez pas entendu ça, vous. Comment je vous dirais pour remplacer pendable? Hein? Une vie abominable. Oh, mais pire que ça. Hein? Bon, eh bien, ne venez, vous verrez bien. Vous verrez bien. On voit de loin comme ça sur les marais, sur les endroits qui sont un petit peu embourbés. On ne passe pas par là, on passe par le sentier, vous verrez bien. Ne venez pas quand il est là. Et puis un jour, il était toujours en chicane avec tout le monde. Il était encore en chicane, il va chez le greffier et puis il lui manquait une... Alors voilà les trois beaux-frères qui s'amènent.
Il se met à table. Elle dit, oh, ben, vous tombez bien, il est parti. Puis il va être parti un moment, hein, c'est pour régler une affaire, il a encore du chicane avec quelqu'un. Alors, les voilà à table. Elle leur a sorti tout ce qu'il avait mangé. Oh, ils jouaient de la musique, ils chantaient, ils étaient joyeux. Oh, elle était heureuse, la Géva. Et puis, tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle voit? Il arrivait son ensemble. Grinchou, Potatou, Apparition. Et dit les gars, va falloir vous cacher. Où vous allez vous fourrer? Oh là 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 là. Parce qu'il va arriver là, il va, il va traverser la pièce, il va les changer. Et puis il va vous sortir des pendant ce temps-là. Mais où vous fourrez? Il y avait un grand coffre. Mais un coffre plus grand que ça. Hein. Vous voyez, ça c'est un genre de coffre. C'est une mais, comme on dit, ça dépend comment on appelle ça. Vous allez vous fourrer dedans, et puis le temps qui passe, eh bien, vous allez sortir, quoi, quand il va être passé. Alors, les trois bossus, je ne sais pas comment ils ont fait, ils se sont fourrés là-dedans, mais fourrés là-dedans, hein, on a pu rabattre le battant, et puis le voilà qui est arrivé. Eh bien, oui, mais il n'était pas question de repartir. Il lui manquait une pièce à conviction chez le greffier. Alors, il venait chercher, il y avait donc une armoire dans la pièce, il y avait un buffet et il y avait du coffre. Il venait donc chercher, alors il a été à l'armoire, il cherchait, il ne trouvait rien. Il passe devant le coffre, il ne s'arrête pas, heureusement. Il va au buffet, il cherche dans le buffet, tout ça, il ne trouve rien. Alors, il retourne à l'armoire, il passe devant le coffre, il va au buffet. Ça durait une demi-heure. Je ne vais pas vous dire une demi-heure, je ne vais pas vous raconter le système d'une demi-heure. L'armoire, le coffre, le buffet, le coffre, l'armoire, une demi-heure. On va bien. Tout d'un coup, il ouvre une petite tirette du buffet. La pièce était dedans. Alors, il s'en va au bout d'une demi-heure. Et à chaque fois, son cœur... Il n'ouvrait pas le coffre. Ben non, il n'y a pas de papier dedans. Heureusement. Alors, Géva et court au coffre. Foutu les bossus. Étouffé les bossus. Tous les trois. Et dit, ben qu'est-ce que je vais faire? Trois cadavres sur le dos. Oh là 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 là. Et quand il va arriver, lui, il va se dire comment que ça se fait qu'il y en a trois de morts. Et les voisins, parce que nous, dans nos campagnes, là, on s'occupe des voisins. On dit, qu'est-ce qu'ils font donc aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont vu chez eux? Je sais pas si... Vous avez pas vu leur gars? Il y a une fille qui vient là. Je sais pas s'ils vont se marier. Je sais pas s'ils vont trouver qu'il y a assez de quais. Enfin, nous, on s'occupe les uns des autres, hein, dans les villages. Ah là, oui, on voit qui vient, qui va, qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Et ben, il dit, les voisins, quand ils vont voir qu'il y en a trois d'un mort dans la maison. Oh, abominable, abominable. Oh là là. Oh, il était débrouillard, la Géva. Aussi débrouillard que belle. Eh bien, elle se dit, je vais le fiche dans la rivière, dans le loch, là, qui pousse, qui passe en bas, parce que le loch, il jette dans la rivière, quoi. Oh, vous savez, on trouve bien des choses comme ça, en arrivant à la rivière, hein, il y a, quelquefois, on dit, tiens, voilà des corps étrangers qui arrivent, mais souvent, oh. Alors, il dit, ben oui, mais un, ça passe encore, mais trois, oh, il était embêté, hein. Oh là 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 là, et puis, il dit, c'est qu'il va pas être si longtemps que ça. Alors, il dit, oh, mais j'ai un bûcheron qui est là. Quand il va revenir, le bûcheron, il va avoir fini sa journée, je vais lui dire d'aller me jeter dans la rivière. Et puis, on va bien voir, quoi. Faisons les choses comme il faut. Alors, tout d'un coup, le voilà qui arrive, le bûcheron. Non, elle d'abord, allons-y, comment elle a opéré. Elle va au coffre, elle en arrache un tout frais mort, c'était déjà très maniable, hein. Alors, elle, oui, c'est une réalité, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Alors, elle l'amène à table, et puis elle le tient comme ça, il était debout, elle met une chaise derrière, ben, il s'est assis. Et puis, elle lui a mis les mains comme ça, et puis lui, son nez est tombé comme ça sur la table. Elle a été chercher une assiette, elle l'a mise dessous. Et puis, elle dit, quand il va arriver, mon bûcheron, je vais lui dire si vous voudrez pas aller le jeter dans la rivière, c'est vrai, c'était la seule solution. Et on n'a pas toujours des solutions, il ne faut pas croire. Alors, il est arrivé, Stévan qui s'appelait, sur le seuil de la porte,
y a un mort à table qui dit, ben oui, mon bon Clément, figure-toi, il était là à manger, puis s'est engouillé. Comment vous dites-vous en français? Je ne sais pas. Étranglé. Étranglé, oui. Ben, écoutez, vous allez bien savoir qu'engouillé, c'est étranglé, hein, parce que engouillé, c'est encore plus fort qu'étranglé. Oui. Bon, voilà. Il s'est engouillé, il a cherché à se dégouiller, il n'a pas pu. Moi, j'ai cherché à le dégouiller, j'ai pas pu. Et puis, quand il va arriver, l'autre, eh ben, dis donc, tu vois bien, quand il va arriver, mon grinchou, le crottin tout de la varice, tu vois, oh, qu'est-ce que je vais faire? Tu voudrais pas aller le jeter dans la rivière, elle est en crue, là. Et puis, pour ça, je te donnerais 30 pièces d'argent. Oh, figure ce qu'il dit, Stéphane, pour 30 pièces d'argent, moi, je ferais pire que ça, il t'attrape le mort sur les épaules et puis en route. Pendant ce temps-là, Géva, elle retourne au coffre, elle en ressort un autre, elle le ramène à table, elle le tient, met une chaise derrière, oh, il a été plus loin s'asseoir, et puis il pique du nez, elle met l'assiette sous le nez, et puis elle attend. Oh, pas longtemps, il avait fait vite, hein. Et puis, sur le seuil de la porte, il revoit. Oh putain, il est revenu! Mais oui, mon pauvre Stéphane, t'as pas dû le mettre creux dans la rivière, ben, l'eau ça l'a rafraîchi, alors ce qu'il a fait, madame, il a repris ses esprits, puis il est revenu, quoi. Retourne donc, puis tu vas le mettre, si t'attends, vas-y un peu, ça n'a pas d'importance. Alors il te le reprend, oh putain, oh là là, il disait, c'est pourvu qu'il fait vite. Oui, alors elle retourne au coffre, il y en avait encore un, hein. Elle retourne au coffre, ah, et cette fois-là, c'est que c'était plus raide, hein. Oh, et te l'hercule, vous vous diriez comment? Attrape. Oh, c'est pas attrapé, c'est hercule, traîner, et te l'entraîne, et te l'amène à table. Il ne voulait pas s'asseoir, il lui donne un grand coup sur la tête, il s'est assis quand même, et puis elle lui a mis les pieds dessus, les bras dessus, oh, il dit pourvu qu'il arrive, parce que si l'autre grinchou de potin tout d'avaricieux arrive avant, oh, elle aimait mieux pas y penser. Et puis il était là. Et tout d'un coup, là, c'était Van qui arrive. Ah, oh, mille bons bouts de 100 000! Il jurait, mais moi je ne jure pas, alors je ne peux pas jurer. Hein. Oh, il jurait! C'est que Géva, il se disait, il va être là à se débattre, mais c'est que l'autre va arriver et dit, écoute, Stéphan, tu ne l'as pas mis creux dans l'eau, t'as même pas dû le voir revenir devant toi. Oh, il jurait, t'as même pas dû le voir revenir devant toi. Il vient, et ben, il s'est remis à sa place, et puis tu vois le voir encore fichu. Oh là là, allez, dépêche-toi donc. Et puis alors, il l'attrape sur ses épaules, mais là, il y avait les bras d'un côté, les jambes de l'autre. On aurait dit une croix, et si les voisins voient ça, ils vont dire, mais qui sort donc ces gueules là? Qui a donc? Ils vont se demander qui c'est qui porte sa croix et tout. C'est que le soir tombait, hein, et puis une autre va arriver, mais ça y est. Alors elle dit, mais dépêche-toi donc. Allez, ça y est, la partie. Alors, Mme Géva, elle était tranquille. Il pouvait se ramener, son grinchou de potatou d'avaricie, il n'y avait plus rien, aucune trace. Et puis, v'là Stéphane qui ne revenait pas. Et si c'est pas possible, je suis à lui dire d'aller plus creux, d'aller plus loin, et c'est fou dedans lui aussi. Il va y penser. Oh là 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 là. Il va y penser comme les autres, quoi. Oh là 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 là, comment. Enfin, elle se tracassait, et tout d'un coup, le voilà qu'arrive, Stéphane. Ah, il dit, madame, cette fois-ci ne reviendra pas. Il est toujours revenu avant moi, mais là, figurez-vous que quand je revenais, je l'ai vu sur le chemin. Il aurait encore été arrivé avant moi. Eh bien, je dis, mon vieux, toi, tu vas la payer. Ah, parce qu'avec un bossu, madame, on ne peut pas se tromper. Hein. Eh bien, j'ai été par derrière, j'ai pris mon sabot. Et puis nous, chez nous, les sabots, hein, on n'en fait que deux paires dans un pied d'être. Hein. Je lui en ai foutu un sacré coup derrière la nuque, il est tombé raide. Eh bien, je te l'ai pris. J'ai été à la rivière, et là, il y a du barbelé. Je n'ai pas voulu en prendre avant, parce que les mains d'un bûcheron, c'est vrai, c'est pas rien quand même d'être esquinté. Je lui en ai attaché aux chevilles, je te l'ai jeté, ou que ça bouillonnait, Ah, le mieux dire que vous ne le reverrez pas. Oh, Géva, il avait compris que le quatrième
C'était son grinchou potin tout avaricieux qu'elle était débarrassée de quatre d'un coup. Alors, il dit, si vous voulez bien me donner mes pièces d'argent, Géva lui donne les pièces d'argent, heureuse qu'elle était d'être débarrassée quatre d'un coup. Et puis le temps a passé, mais Kergoff a été un amoureux fidèle, il ne s'est pas marié. Donc il a retrouvé sa Géva, Kergoff. Et ils ont fait le mariage. Et autrefois, dans le temps, quand une veuve se mariait avec un célibataire, on faisait un charivari. Avez-vous entendu parler des charivari? Non, vous n'avez pas entendu. Pourtant, c'est une coutume très ancienne, mais qui s'est faite... enfin, moi, je me compare à ça, alors. Qui s'est faite il y a encore 50 ans, si vous voulez, on faisait ça. Dans ces cas-là, alors on allait, c'était pas méchant, hein, on allait le soir à la porte des mariés, et puis on jetait des vieilles toiles, nous on appelait ça des arassouères, parce que les arassouères c'est pour griller les châtaignes. On jetait des vieilles toiles, des vieux chaudrons, des vieilles casseroles, et puis si c'était la saison des betteraves, on jetait des betteraves, des lisettes comme on disait. On faisait un charivari. Alors comme c'était le cas, on a voulu faire un charivari. Géva, elle a ouvert la fenêtre. Oh, qu'elle était belle, la Géva. Et Kergoff, il a ouvert la porte, et puis il a invité tout le monde à boire, à chanter, à danser, pour un beau charivari. Ça fut un beau charivari, mais qui réjouit tous les gens du pays. Et là-dessus, mon histoire est finie.